Il y a eu un fait divers qui m'a scotché quand j'étais adolescente et qui a scotché l'Italie entière, c'était l'histoire du monstre de Florence. Le prétendu monstre de Florence avait tué 14 jeunes gens dans leur voiture. Pendant des ébats amoureux. Ça avait été le premier serial killer italien et d'ailleurs, je pense, européen. On l'a suivi comme si c'était un feuilleton, finalement. Sauf que chaque fois, ça pouvait concerner quelqu'un de ta famille. Enfin, si tu habitais en Toscane, c'était. Euh, tous les mots étaient absolument euh, terrorisés. Ça a été euh, 74-85. Et ensuite, chaque fois qu'en Toscane, il y avait quelque chose qui arrivait d'un peu bizarre, on reparlait du monstre de Florence. Pourquoi Parce qu'on n'a jamais su. Qui c'était. Et moi, j'ai repris ces faits divers et j'ai fait en sorte que ça recommence aujourd'hui. Je suis fascinée par les faits divers, par les crimes, les meurtres, parce que pour moi, c'est très parlant sur l'état de la société. C'est le travail d'un écrivain de mettre ensemble un peu les, les pièces pour essayer de comprendre où on en est. Et donc, chaque fois, quand on parle de quelque chose, même si c'est inventé, même si c'est récréé, c'est aussi une analyse et une réflexion sur la société. J'ai toujours été une très grande lectrice de Noir. Pour moi, les Noirs et les thriller, c'est autre chose que le Polar. Le Polar, c'est... On suit l'enquête policière, et quasiment peu importe, sauf Manchette, peu importe la langue. Et les Noirs sont dans une exigence d'écriture. Euh, dans une beauté parfois lyrique d'écriture qui m'intéresse. On a peut-être plus de liberté euh, dans le noir et on a peut-être plus la possibilité de faire de la dramaturgie. On peut faire de la noire intimiste, on peut faire de la noire sociale, on peut faire de la noire lyrique, mais on est obligé de raconter une histoire et je veux qu'on me raconte une histoire. Je n'ai pas envie qu'on me raconte l'histoire, euh, l'énième histoire, histoire d'un nombril, ça ne m'intéresse pas. Donc vive la noire <laughs> Je raconte souvent des histoires italiennes parce que je connais bien, alors je vis en France depuis plus de 30 ans, mais je connais bien mon pays et je trouve qu'il est romanesque, peut-être plus que la France. Donc ça me donne toujours envie de, de plonger mes, mes mains jusqu'au coude dedans, dans le cambouis italien. L'analyse de la société italienne, de la politique italienne, de la corruption italienne, de la mafia, de la camorra, de tout ce qu'il y a derrière et que je connais bien, dont j'ai beaucoup parlé dans la Dolce Vita, dont j'ai beaucoup parlé dans Les Nouveaux Monstres, me permet... Euh, de finalement de d'expliquer comment ça comment ça se passe derrière ce qu'on vous raconte au journal télévisé où il faut toujours aller chercher le pourquoi du comment et enfin, moi ça me passionne je crois que tous les écrivains qui ont repris l'histoire du monstre de Florence ont plus ou moins compris qui était le monstre mais c'est tellement on peut tellement pas en parler c'est tellement. Ça fout tellement la trouille. Parce que si c'est vrai, ça veut dire tellement de choses. Il faut juste passer par un roman, je crois, pour le dire. Je crois que j'ai été au plus près de ce qui, est, ce qui est possible de dire. Mais je ne suis pas la seule. Et je ne vais pas en dire plus. <laughs> la première idée du livre euh, est venue. De la d'envie de la confrontation entre deux hommes et de leur rapport aux femmes. Ce sont deux hommes qui sont restés sans leur femme pour deux raisons différentes et qui ont été en tête-à-tête tête avec leurs filles. Ce sont des jeunes filles d'aujourd'hui, donc elles ont envie de bouffer le monde. Et c'est un peu la métaphore pour moi de comment le monde devrait fonctionner, devrait aller. Si le monde a une chance, un espoir d'aller mieux je ne peux faire confiance qu'aux femmes et aux très jeunes femmes. Les hommes, comme je les vois fonctionner, les hommes de pouvoir, les hommes de 50 ans, 60 ans, c'est un peu à cause d'eux que le monde va comme il va, c'est-à-dire très mal. C'est vraiment aux très jeunes filles d'aujourd'hui de se rébeller, de se révolter et d'envoyer de, et tout paître et de reprendre les choses en main. <laughs>